Eh bien, salut à tous et à toutes, on se retrouve pour un nouvel épisode ou la suite du précédent, je sais pas encore, ça dépendra parce que j'ai eu des petits soucis techniques. Donc on verra quelle partie de l'épisode est perdue. On était dans les enfers, je vois pas d'autre solution. Alors par contre, je vais surveiller attentivement. Bah, ça m'a l'air plus fluide, c'est bon, ça m'a l'air fluide. Passer en moyen aura été salvateur. Oh bah voilà, on est un peu plus au calme. C'est con, on s'avait coupé vraiment tout à la fin de l'épisode. Oh non, bah non, j'ai rien dit. Ah, les yeux endormis. Je suis sûr qu'ils vont se réveiller un moment, ça va me terrifier. Je jette un coup d'œil à mon retour. Pour l'instant, ça m'a l'air ok. Bon. Ah, j'aimerais bien les éviter, mais j'ai peur que le jeu me fasse un coup de pute, genre on va tous les réveiller en même temps. On va réveiller tous les ans en même temps. Alors la musique s'est bloquée ou c'est fait exprès? Alors on va servir de la porte. Ça m'a l'air fluide, ça m'a l'air fluide, c'est bon. Ouais. C'est-à-dire... Ah! Ah! Bon, du coup, c'est quelle serrure que j'ai ouverte? Très bien. Ok, ça grouille. Ok, bon bah là on va faire gaffe. En fait, je vais tous les os exploser du coup. Exploser toutes ces saloperies. Aïe 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 aïe. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Pas de panique. Bah, je sais pas où ils sont du coup. Ah, ils sont là. Bonjour. Ouais. Putain, mais ses yeux, quoi, mais... Quel enfer du cul! Vous pouvez arrêter de me regarder, s'il vous plaît. Il voulait pas crever. Il a jamais voulu mourir. Oh putain. Ok. Hop, allez. Très bien. Ok, d'accord. Donc il y a un autre ici. Ok, ça y est, c'est ouvert. Toujours fluide sur le retour. Oh putain, mais...
Foutez-moi la paix avec vos yeux, là, con, là. Oh, sérieux? Oh! Oh, putain, mais plus malaisant, tu meurs, quoi. Regardez-moi la taille de ses yeux. Eh, t'as de beaux yeux, tu sais. Ça, je suis à peu près sûr que c'est pas normal. Hé, le robot! Le robot! Ah! Je suis vraiment un chat très intelligent. Hein. Bon, bah là, la fuite comme à l'ancienne, hein. Putain, quel enfer! Oh, quel enfer! Oh, quel enfer! Oh, quel enfer! Au secours! Quel putain d'enfer! Lep, 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 lep. Oh, quel enfer! Oh, là, au secours! Au secours! Je cours, je cours, je ne sais pas dans quelle direction je cours, mais j'y vais! Oh, putain! Vite! 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 Chien! Ah, par pitié, dites-moi qu'il est encore, il est encore là, lui. Ah, c'est bon. Il faisait noir, j'étais seul, c'est comme si j'étais revenu dans le réseau. Mais tu m'as sauvé, merci l'ami. Ton dernier retour d'énergie a épuisé mon cœur. Le défluxeur est complètement détruit. Merci, c'était gentil de m'avoir donné un moyen de me sentir un peu plus safe. Puis de me l'enlever. Allez. C'est bon sur le retour? Ouais, ça m'a l'air bon sur le retour. Par contre, le jeu est vraiment prenant. Hein. Ah, il y a une chatière. Bah, enfin. C'est où là? C'est qui? Un voyageur venant des égouts. On n'avait pas vu l'un des vôtres depuis des lustres. C'est toi qui nous as contacté un peu plus tôt, petit extérioriste? C'est Balthazar l'extérieur, il s'attendait. Il est en train de méditer au sommet de notre village. On est arrivé! Yes! La fourmilière. D'accord. Cette machine, les scientifiques dont j'étais l'assistant en utilisaient une comme ça. C'est quoi? C'est un truc de stase? Il était malade, c'était son dernier espoir, il est entré dans la machine. Ouais, c'est ça, c'est un truc de stase. Et je ne l'ai pas accompagné, il était seul. Que faisait-il? Il s'est envoyé dans l'ordinateur et tout a changé. Mais il y a eu un problème lors de l'envoi. Il est resté bloqué des centaines d'années. D'accord, donc ils ont transféré leur conscience jusqu'à ce que un petit chat apparaisse. C'est lui le scientifique, d'accord, donc c'est bien sa conscience à lui. Non, je sais pas. C'était ça, c'était moi le scientifique, c'était moi. Oui, c'est ça. J'étais humain. J'ai besoin d'une pause. Bon, on en a loupé un ou deux des souvenirs. Bonjour. Tiens, je vais dégueulasser ton tapis. Je suis désolé, je... D'accord, non, pour ça, il peut pas. Pas tout de suite, j'ai pas envie de parler pour l'instant. Oh, putain, c'est que t'es mon traducteur, hein? Bon, du coup, ça sert à rien.
Alors là, par contre, 100%, il y a un secret à découvrir. Prendre fleur violette. Oui. Oui, bien sûr. Allez. Allez. Ok, donc il boude. Il boude, il veut pas prendre la fleur. Très bien. Allez, pas, non, non, par contre, là, c'est plus drôle. Merci. On va bien sûr faire nos griffes sur le beau canapé. C'est stylé. Oh, c'est trop bien. J'aime le fait qu'il n'y ait pas une seule façon de monter là-haut. Qu'ai-je oublié d'autre? Je dois bien avoir des parents, des amis, que leur est-il arrivé? Bah, ils sont morts. Vous l'aurez resté, mais restait-il seulement quelqu'un à sauver? Ouais, non, là, il veut toujours pas. Il continue à bouder. On continue à suivre les lumières. Ah, voilà ce Balthazar. Et pourquoi il... Pourquoi... C'est quoi cette obsession des chats? Qu'est-ce que c'est? Alors, je suis à peu près sûr que en hexadécimal, ça veut dire quelque chose. Tu ignores qu'on n'interrompt pas quelqu'un en pleine séance de méditation transcendantale? Ah, c'est toi, tu étais avec Momo quand on a reçu cet appel. Je suis heureux de faire enfin ta connaissance, petit extérioriste. Tu connais Momo et Doc? Alors tu nous connais aussi, nous les extérioristes. Ils me manquent, leurs souvenirs m'apportent la paix. Momo est resté dans les taudis. J'ai entendu dire que tu l'avais aidé à trouver Doc et Clémentine. Elle est au centre-ville maintenant. Si tu veux toujours voir l'extérieur, c'est elle qui pourra t'y emmener. Apparemment, elle avait une sorte de plan pour quitter la ville. Tiens, prends ça. J'ai écrit cette adresse au dos de cette photo. Pour rallier le centre-ville, monte dans notre petit village pour être aussi agile que toi. Pour en être aussi agile que toi, ça ne devrait pas être compliqué. Si tu parviens à atteindre l'extérieur, tu seras le premier. Je souhaiterais bien bonne chance, mais tu n'auras pas besoin de choix en toi. Désolé de m'être éteint tout à l'heure. Je suis humain, sans doute le dernier au monde, et regarde ce qui reste de moi. Tant de souvenirs remontent à la surface. Combien en avais-je oublié? Peut-être qu'en trouvant Clémentine, on pourrait restaurer cette même mémoire et te faire rentrer chez toi en même temps. On peut redescendre pour obtenir d'autres renseignements auprès des compagnons ou poursuivre en direction du centre-ville. Eh ben, on va explorer! Bien entendu. Alors, t'es qui, toi? Alexander. Ouais. Je trouve ça trop pompeux. Ouais, je trouve ça nul surtout. Ah, alors attendez. Se rappeler. Cette langue, les robots compagnons l'ont inventée à partir de rien, c'est très impressionnant. Je me souviens que ça s'est passé quand j'étais dans le réseau. Je ne sais plus quand exactement, mais à un moment, toutes les communications ont commencé à afficher ces symboles à la place. J'étais bloqué dans un ordinateur et seul pour longtemps. Alors j'ai traduit chaque symbole et chaque mot, un par un, jusqu'à être capable de tout comprendre. Maintenant que je suis sorti et que je comprends leur langue, je suis curieux d'entendre ce qu'ils ont à dire. Zurk électrique partout. Isaac. Alors là, maintenant tu vas pas me faire chier, tu vas me laisser prendre la fleur violette. Merci. Je sais pas à quoi ça va me servir, mais je prends.
J'aurais dû gagner au moins 8 fois. Et l'autre, il veut pas parler? Marie, non, l'autre ne veut pas parler. Nuances de peinture blanche. Je vais l'appeler Brun Camelot. Ok, si tu veux. Tu dois bien t'emmerder quand même. Ouais. Attends, l'autre là à l'entrée, il avait quelque chose à nous dire ou pas? Balthazar et l'extérioriste attendaient. Oui. Balthazar, l'extérieur, s'attendait. Ah, je les ai pas vus, eux. Ça me rappelle, je ne sens rien comme c'est triste. Bah oui. Oh, il est triste! Mais dans sa période déconstructiviste, selon elle, je suis sûr qu'elle deviendra une grande artiste. Si seulement elle pouvait aller se faire la main ailleurs. Mimouche. Et Maïs, c'est de ce robot-là. Ah, mais du coup, j'ai pas pu donner toutes les partitions au guitariste. Oh non, là, je suis déçu. Ah, oh, c'est la déception la plus totale. C'est la déception la plus totale. Cette nourriture est horrible, mais c'est tout ce qu'on trouve. Mais vous bouffez en fait? Chef conserve, le surcyclage des restes. Ramène J45 avec mon ingrédient secret. Mais vous bouffez? Mais c'est des câbles électriques. Et tu n'as pas d'orifice pour les introduire? Mais tu es complètement con. Autant qu'ils boivent de l'huile, pas qu'ils s'injectent de l'huile, je peux le comprendre. Mais ça n'a aucun sens. Là, c'est pour redescendre en dessous, d'accord. Est-ce que je peux prendre l'échelle ici? Non, visiblement pas. Attends, par contre, j'ai envie d'aller voir là-bas qu'est-ce qu'il y a. En vrai, et c'est beau. Même là, je suis en graphisme médium, du coup, pour la fluidité. Et c'est beau. Allez, hop, on fait ses griffes. T'es qui, toi? Salut, Amy, comment vas-tu? Vous savez que Tante Clémentine nous a appris comment faire pousser les plantes spéciales qui peuvent vivre sans la lumière du soleil? J'en ai une énorme collection. Vous pouvez le voir, il me manque encore certaines couleurs. Jaune, rouge et violette. Ah! Bah tiens, justement, j'ai un truc pour toi. Ah, et d'ailleurs, du coup, mes partitions que j'ai pas données, elles ont disparu de mon inventaire. Oui, il paraît que c'est une fleur rare, merci. Oui, mais alors par contre, pour l'instant, je ne sais pas où c'est. Je n'ai pas vu de fleur jaune ou rouge. C'est qui toi? Je m'ennuie. Ok. Ah, il y a les fleurs jaunes là. Il y a des fleurs jaunes. Ah ah ah. Voilà. Par contre, je peux pas aller plus loin. Alors, est-ce qu'il y a des fleurs rouges quelque part? Pour l'instant, je n'en vois pas. On va rester attentif. Fleur jaune, fleur rouge, fleur violette. J'ai la fleur jaune. Il ne manque plus que la fleur rouge.
Alors, fleur rouge, fleur rouge. On voit pas pour l'instant. Attends, il y a forcément moyen de passer là. Oui. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose, mais c'est marrant. Alors, ça c'est les fleurs violettes qui sont en dessous. Et... Ah, je veux pas louper les fleurs rouges, s'il vous plaît. Chou. Je sais pas où je suis, mais je crois qu'on va se quitter là pour cet épisode. Ah, je peux pas revenir. Ah, je peux pas revenir. Ah! Ah, la déception! Je peux pas revenir. On va se quitter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, le petit commentaire. Et moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et n'hésitez pas à vous abonner également. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de Stway. Salut, bye bye!